Bonjour. J'espère que tout le monde va bien, surtout en ces moments un peu difficiles. Bienvenue donc à ces séances de cours enregistrées à distance. Nous allons essayer de démarrer avec une présentation générale du contenu du cours, mais on va parler aussi des aspects méthodologiques. Comme vous le savez, le cours s'intitule Introduction aux sciences économiques et à la gestion. Et on peut dire qu'il y a donc deux grands axes qui structurent le contenu de ce cours. Un premier axe qui propose une introduction à la science économique et un deuxième axe qui se penche sur les mécanismes de gestion des entreprises. Les deux axes sont présentés sous forme de thèmes traités comme des ensembles structurés. Cependant, la compréhension de chaque thème est étroitement liée à celle des autres. Sur le plan de l'organisation du cours, je vais mettre à votre disposition des vidéos enregistré portant sur les différents axes du cours. Je mettrai aussi des fichiers PDF fournis sur la plateforme, bien sûr, de l'université, ainsi que des documents à lire. Vous pouvez aussi poser vos questions à propos du cours via l'adresse Moodle sur la plateforme de l'université, et j'essaierai de répondre à ces questions au fur et à mesure du déroulement des séances du cours. On va aussi essayer de prévoir des séances de discussion sous forme de webinaire en direct sur la plateforme d'université et je mettrai à l'avance à votre disposition le lien et le passcode sur Moodle. Un dernier élément à souligner avant de passer à la présentation détaillée du cours, c'est la bibliographie. Donc, je mets à votre disposition une bibliographie indicative, donc un ensemble de manuels et de livres qui sont disponibles au niveau de la base des données, donc la bibliothèque électronique de l'université, que vous pouvez consulter sur votre espace numérique de travail, donc sans se déplacer physiquement à la bibliothèque. Donc là, il y a aussi des sites internet à consulter pour suivre un petit peu la conjoncture économique et pour suivre l'évolution de l'économie nationale surtout. Donc, notamment le site du Haut Commissariat au Plan et le site de Banque Maghreb. Je vous recommande aussi de faire des lectures, de consulter les journaux, les revues économiques traitant des questions économiques nationales et internationales. Pour les objectifs pédagogiques du cours. L'objectif principal, c'est de vous permettre d'acquérir les fondamentaux de l'économie et de la gestion à travers l'acquisition des bases et des clés de lecture de la conjoncture économique nationale et internationale, une compréhension des indicateurs économiques fondamentaux, ainsi que leur interprétation, une compréhension des mécanismes de fonctionnement de l'économie nationale, mais aussi poser la relation entre l'économie nationale et le reste du monde et présenter aussi les notions et les outils fondamentaux de la gestion des entreprises, ainsi que les problèmes auxquels l'entreprise doit faire face. Pour le contenu du cours. Donc là,
Vous le remarquez, le cours est scindé en deux parties. Une première partie qui traite de l'économie générale, et cette partie est structurée en un ensemble d'axes. Premier axe porte sur l'économie politique comme science sociale, donc les questions de l'objet des méthodes. Il a l'objectif, c'est de traiter, tu vois, de revenir sur le statut épistémologique de la science économique. C'est un axe qui est important dans la mesure où il vous permettra de se pencher sur les questions de science, questions de sciences exactes, sciences sociales, le statut épistémologique de la science économique, ainsi de suite. Donc, ces questions-là, vous savez que vous êtes dans une faculté de sciences économiques, juridiques et sociales. Donc, il est important de revenir sur ces questions. Un deuxième axe portera sur les grands courants de la pensée économique. Donc, on essaiera de voir un peu comment la pensée économique s'est développée depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. L'axe suivant, ou les axes qui suivront, pardon, porteront sur les rouages de l'économie nationale, à travers d'abord l'étude des agents opérationnels circuit économique. Généralement, l'économie est traitée comme étant un système, comme étant un circuit, avec un ensemble d'agents, un ensemble d'opérations, des interdépendances entre les agents, à travers des flux, et dans le cadre d'un ensemble de marchés. Par la suite, on verra comment on mesure ou comment on quantifie l'activité économique nationale à travers notamment la comptabilité nationale, qui est technique statistique permettant de mesurer, de quantifier les différents flux à l'échelle de l'économie nationale. Et comme vous le savez, les pouvoirs publics ont généralement besoin d'informations économiques pour prendre des mesures de politique économique, et la comptabilité nationale fournit justement ces données-là. Un autre axe portera sur les cycles et la croissance économique. En fait, l'économie ou les économies n'évoluent pas de façon linéaire. Donc, toujours, il y a des mouvements de haut et de bas, donc ce qu'on appelle en économie les fluctuations économiques. Ces fluctuations sont traitées à travers les notions de cycle, la notion de cycle économique. Et au niveau de ces cycles, il y a un ensemble de phases, et chaque phase, bien sûr, telle que croissance, récession, crise, récession, reprise, ainsi de suite. Et au niveau de chaque phase, de ces cycles, il y a des déséquilibres parfois qui surgissent, notamment le chômage ou l'inflation, et c'est ce qui, justement, ce qu'on fera au niveau de l'axe portant sur les déséquilibres économiques, chômage et inflation. Et dans un dernier axe, on traitera ce qu'on appelle la régulation économique. Donc, toute économie, bien sûr, suppose une régulation, soit à travers le marché. Là, lorsqu'on est dans une optique libérale ou dans une philosophie libérale, ou une régulation à travers l'État, donc lorsqu'on est dans une philosophie interventionniste. La deuxième partie du cours portera, comme on l'a souligné auparavant, sur la gestion et spécifiquement sur la gestion de l'entreprise. Et là, on traitera d'abord les questions de définition et de typologie des entreprises, hein, sur le plan juridique, sur le plan de la taille, sur le plan du secteur économique. À la suite, on traitera les mécanismes de fonctionnement de l'entreprise, donc l'ensemble des activités, des fonctions présentes au niveau, qui existent au niveau de l'entreprise. Les structures et l'organisation, notamment
comment se structure une entreprise, comment elle s'organise pour exercer son activité. Enfin, la question de la relation entre l'entreprise et son environnement, soit l'environnement interne de l'entreprise, soit son environnement externe. Donc voilà pour les axes ou les parties et les axes qui structurent le contenu de ce cours. On passe maintenant au premier axe qui s'intitule l'économie politique comme science sociale, les questions de l'objet et des méthodes. Et là, on va poser une question centrale. Et qu'est-ce que l'économie? Il est courant à la question qu'est-ce que l'économie de recevoir en réponse plusieurs sujets dont s'occupent les économistes, tels que le sujet de la richesse, des échanges, crise économique, politique économique, etc. En effet, la vie quotidienne des individus et des groupes, notre vie quotidienne, est faite d'actes et de faits qui, pour les économistes, sont des faits et des actes économiques. À l'exemple de consommer ou produire des biens pour satisfaire des besoins, rémunérer un travail par le versement d'un salaire, payer des impôts à l'État, etc. De même, des faits comme la pauvreté, le chômage sont des exemples de faits sociaux sur lesquels se porte l'investigation des économistes. On peut dire donc que la réalité économique se présente comme une multitude d'actes et de faits que les économistes étudient pour déterminer les mécanismes de leur fonctionnement. Ces faits et ces actes sont appréhendés à travers une grille de lecture, une grille spécifique de lecture. Ils sont appréhendés à travers une discipline, une science, qui est bien sûr la science économique. Pour synthétiser, on peut dire que l'économie vise l'étude des comportements humains. Elle a donc, à l'égard des autres sciences sociales et humaines, telles que la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, ainsi de suite, donc l'économie, à l'égard de ces sciences sociales, a pour objet l'être humain. En effet, l'économie, comme on a dit, en tant que science sociale, part du constat que les hommes éprouvent des besoins illimités, mais que les ressources dont ils disposent pour satisfaire ces besoins n'existent qu'en quantité et non limitée. Et de là, les économistes posent un problème central qui est le problème ou le phénomène de la rareté. Et donc, les hommes font face à la rareté. Et en conséquence, ils doivent faire des choix. Voilà comment les économistes posent ou conçoivent l'objet de l'économie, définissent l'économie. Cette définition, en fait, l'économie ne fait pas l'unanimité entre les économistes. Et les notions de rareté et de besoin sont vivement critiqués et contestés. En fait, certains économistes considèrent que le fait de poser l'objet de l'économie ainsi, c'est-à-dire en termes de ressources rares et de besoins illimités, est un non-sens du fait que le problème n'est pas au niveau de la rareté des ressources, du moment que la nature ne peut donner que ce qu'elle peut donner, ne peut donner que ce qu'elle a. Mais plutôt, le problème, selon ces économistes, se retrouve au niveau des besoins humains qui n'ont cessé et qui ne cessent d'augmenter.
Et le fait d'assigner à l'économie un objet scientifique autour des questions de plus de richesse, plus d'échanges et plus d'efficacité comme gage du maximum de jouissance des individus, hein, pour ces économistes, c'est un non-sens. Mais, et d'autre part, toujours selon ces économistes, on n'a jamais chargé l'économie d'expliquer à qui revient réellement la grande part des richesses produites. Quel type de richesse produire et dans quelles limites pour préserver la soutenabilité de la Terre. Et la conséquence, c'est que la Terre est devenue insoutenable et l'insoutenabilité est totale. En fait, les déséquilibres écologiques, économiques, sociaux et politiques sont d'une ampleur considérable. Pour enchaîner, on peut dire que, en fait, malgré ces critiques, donc, poser la question centrale de la rareté au niveau de la science économique, quand même, a le mérite de donner un objet et un champ d'analyse à l'économie, et a le mérite aussi de tenter une synthèse entre les différentes approches économiques. Pour revenir à cette question qu'on a posée au départ, à savoir, qu'est-ce que l'économie? On va essayer d'apporter des éléments de réponse sur deux plans essentiels. D'abord, sur le plan étymologique. Et avant, de revenir sur l'étymologie du terme économie, je vais essayer de rappeler rapidement ce qu'on entend par étymologie. L'étymologie, c'est la discipline qui vise l'étude de trois éléments importants. D'abord, l'évolution dans le temps du sens d'un mot, d'un terme. Deux, l'évolution de son orthographe. Et trois, son origine antique, donc sa racine antique. L'étymologie nous permet de connaître le sens des mots en revenant à leur racine, c'est-à-dire à leur origine, comme on l'a dit. En langue française, par exemple, la plupart des mots viennent du grec ancien ou du latin. Bon, parfois, on trouve aussi qu'il y a des mots qui dérivent de l'italien, des langues germaniques ou de l'arabe. Donc la base du mot est appelée sa racine, comme on a dit. Et généralement, des mots où les mots se composent de deux composantes essentielles. Donc, la composante au début du mot, c'est ce qu'on appelle un préfixe, et la composante qui figure à la fin du mot, qu'on appelle un suffixe. En fait, le préfixe modifie le sens du mot de base. Le suffixe qui vient après le préfixe, comme on a dit, crée un nouveau mot en changeant la nature même du mot. Pourquoi on revient généralement sur la racine étymologique d'un mot? Ben, c'est parce que, il y a ce qu'on appelle au niveau du langage un glissement sémantique. C'est la sémantique, c'est l'étude du sens, du sens, de la signification des signes, notamment dans le langage. Donc, au niveau du langage, comme on l'a dit, il y a un glissement sémantique, et ce phénomène de glissement sémantique, qui est un phénomène d'évolution du langage, fait que le sens donné à un mot peut évoluer de manière significative du sens qu'avait le mot auparavant. Ce qui se passe alors, c'est que parfois, certains mots sont oubliés
ou transformées avec le temps et peuvent revenir dans le langage et revenir dans le langage et ne traduisent pas parfois le sens qu'il avait à la base. D'où donc la nécessité de revenir toujours sur la racine étymologique des mots pour saisir leur sens, surtout dans le cadre du champ de la connaissance scientifique. Pour revenir maintenant à cette question notamment de l'étymologie du terme économie, on peut dire que étymologiquement, le terme économie dérive des mots grecs oikos nomos, de oikia qui signifie maison et de nomos qui signifie règle ou administration. Lorsqu'on réunit les deux, on se rend compte que le terme économie veut dire c'est oikos nomos qui veut dire règle ou administration de la maison, règle ou gestion, administration de la maison. Le terme est utilisé pour la première fois par Xénophone. Xénophone, philosophe grec, donc 426-354 avant Jésus-Christ, dans son ouvrage intitulé L'économique, où se trouve justement, où il expose les règles d'une bonne gestion foncière. Xénophone, comme on a dit, c'est un philosophe, mais aussi c'est un historien grec, et c'est un disciple de Socrate. Il a laissé des œuvres très variées dans l'œuvre qui nous concerne, l'économique. L'économique, ou cette œuvre, c'est un traité socratique dans lequel Xénophone imagine un dialogue entre Socrate et l'un de ses disciples, Crétabule. Ce dernier souhaite connaître comment gérer le domaine, c'est-à-dire l'oïkos, qu'il a hérité de son père, car il lui faut faire face à des dépenses considérables au service de la cité. Et Socrate lui rapporte alors la conversation, pardon, qu'il a eue avec Ichomaque. Ichomaque est un grand propriétaire terrien qui fait travailler sur ses terres de nombreux esclaves. Alors Ichomaque lui a expliqué les raisons de ses succès de gestionnaire, telles que la manière de traiter les esclaves pour en obtenir le meilleur rendement possible, ainsi que les multiples opérations que doit accomplir un bon agriculteur, notamment faire preuve de qualité d'organisateur, qui sont aussi celles du bon chef de guerre. Donc, l'oikonomiké, c'est-à-dire l'art de bien gérer un domaine, ainsi, selon Xénophone, l'un des aspects de l'art de commander. Par la suite, il a fallu attendre le XVIIe siècle pour qu'un auteur mercantiliste français, Antoine de Montchrétien, 1615, développe l'expression économie politique dans son ouvrage qui s'intitule Traité d'économie politique, et qui d'un point de vue, donc économie politique, si vous voulez, d'un point de vue étymologique, signifie gestion du patrimoine de la cité, de l'État. Donc, politique du grec, c'est polis, P-O-L-I-S, qui veut dire cité, qui veut dire la cité. Et donc, Antoine de Montchrétien explique dans son traité d'économie politique la manière par laquelle la France peut devenir, on ne l'est pas, peut devenir un pays riche et puissant. L'ouvrage se présente, si vous voulez, comme une adresse de Montchrétien au roi Louis XIII. Sur la situation de la France et les moyens pour l'enrichir. Si vous voulez, je vais vous citer l'apostrophe qui ouvre le texte de ce traité et qui dit: ceux qui sont appelés
aux gouvernements des États doivent en avoir la gloire, l'augmentation et l'enrichissement pour leur principal but. On remarque donc que pour Montchrétien, à l'égard d'un certain nombre d'auteurs de ce qu'on appelle le courant mercantiliste du XVIe-XVIIe siècle, donc on verra par la suite en détail la doctrine mercantiliste lorsqu'on traitera la partie portant sur l'évolution des pensées économiques. Donc, ce courant englobe un ensemble d'auteurs comme Jean Bodin et Colbert en France, Thomas Mun, Gregory King et William Petty en Angleterre. Et tous ces, si vous voulez, ces auteurs qui forment ce courant-là, qu'on appelle le courant mercantiliste, étaient pour la majorité des conseillers de rois et de princes de l'époque. Et donc Antoine de Montchrétien est, à l'égard de ces auteurs qu'on a soulignés, qui forment ce courant mercantiliste, considère que l'ordre social suppose l'existence d'un État riche et puissant, ainsi que des sujets prospères. Il faut souligner aussi à ce niveau que les 16e et 17e siècles en Europe connaissent l'émergence des États-nations. Les États-nations ont tant qu'organisation politique juxtaposée à une nation, c'est-à-dire un État national établi sur un territoire délimité et défini en fonction, si vous voulez, d'une identité commune de la population qui lui confère sa légitimité. Donc, avec l'avènement des États-nations, la chose économique, hein, notamment les ressources de l'État, la richesse de l'État, donc la chose économique, va occuper une place importante pour des considérations stratégiques notamment. Parce qu'il fallait défendre les territoires, il fallait financer des armées, et donc la chose économique était posée avec acuité, avec force. Et c'est à partir de cette période, d'ailleurs, que l'économie devient une discipline de pensée autonome, détachée de la philosophie, et qui se préoccupe exclusivement de la création et de la circulation des richesses matérielles à l'échelle de la nation. Si vous voulez, on peut citer à ce niveau un certain nombre d'auteurs, ainsi que leurs travaux, donc on les a suivis auparavant, qui se sont intéressés justement à l'analyse de la chose économique à l'échelle d'État à cette époque. Donc si je reviens à Gregory King en Grande-Bretagne, donc 1648-1712, qui, en utilisant des données fiscales et des statistiques du commerce extérieur, la Grande-Bretagne, se livre pour la Grande-Bretagne, bien sûr, à des évaluations très détaillées du nombre de la population et de la répartition du patrimoine et du revenu national, ce qui lui a permis, pardon, de dresser un tableau récapitulatif dans lequel il montre pour les années 1688-1691 le revenu national de la Grande-Bretagne et la dépense nationale, ainsi que la baisse annuelle de la richesse de la Grande-Bretagne à l'époque, due à la guerre contre Louis XIV. On peut citer aussi, ou prendre aussi, l'exemple de Vauban. Vauban, en France, qui a écrit une œuvre qui est restée célèbre, la Dixme royale, donc Dixme royale, Dixme, 1707, qui fut justement inspiré par la préoccupation de connaître le revenu national de la France afin d'améliorer le rendement du système fiscal. Voilà donc, si vous voulez, pour le statut ou l'origine ou le sens du terme économie sur le plan étymologique. Passons maintenant au deuxième plan, à savoir le plan épistémologique. Donc,
Avant de voir un peu le statut épistémologique de la science économique, c'est-à-dire est-ce que l'économie est une science, si c'est une science, est-ce qu'il remplit les conditions de la science, ainsi de suite. Donc avant d'entamer ces éléments, je vais essayer de revenir rapidement sur ce qu'on entend par épistémologie. Ben, le terme épistémologie dérive du grec ancien. Il se compose de deux mots, donc d'abord épistémé, donc deux composantes. Première composante, c'est épistémie, qui signifie connaissance, et le suffixe logie, qui signifie logos. Donc logos, ça veut dire discours, ça veut dire théorie. Et donc lorsqu'on dit épistémologie, cela pour signifier discours ou théorie de la connaissance. En fait, l'épistémologie est une branche de la philosophie qui a pour objet l'étude critique des concepts, des théories, des méthodes et des résultats des différentes sciences. Et de là, plusieurs scientifiques qualifient l'épistémologie de science des sciences. Le terme épistémologie, si vous voulez, nous vient du philosophe écossais Ferrier, Ferrier, qui dans son livre Institute of Metaphysics, 1854, distingue au sein de la philosophie l'ontologie, ou ce qu'il qualifie de première philosophie chez Aristote, donc ontologie qui signifie philosophie de l'existence. Vous savez que les premiers philosophes font, la première question que les premiers philosophes ont posée, c'est la question de l'existence. Donc, Ferrier distingue, au sein de la philosophie, distingue l'ontologie, qui est une philosophie de l'existence, de l'épistémologie, hein, qui traduit la capacité de l'homme à connaître la réalité. L'ontologie, si vous voulez, c'est une philosophie de l'existence, et l'épistémologie, c'est une. Ou la théorie de la connaissance se traduit ou traduit la capacité de l'homme à connaître la réalité. On peut dire donc que l'épistémologie au sens strict est une critique faite a posteriori axée sur la validité des sciences considérées comme des réalités. Et là, si vous voulez, les grandes. On peut dire qu'il y a trois ou quatre grandes questions fondatrices de l'épistémologie. L'épistémologie pose la question de qu'est-ce que la science? Qu'est-ce qui distingue la science comme ensemble de connaissances des autres types de connaissances? Comment définir la science? Et comment définir la science? Deux, comment la science ou une science s'est-elle constituée? Et quelle méthode de recherche et de travail de recherche, de travail et de réflexion ont été employés pour la construire. Et trois, comment juger de la valeur et de la validité d'une connaissance scientifique? Que veut dire qu'une théorie scientifique est vraie? Donc voilà, si vous voulez, les questions fondatrices de l'épistémologie. Et à ce niveau, là, je vous recommande vivement de lire un ouvrage très important dans ce domaine, l'ouvrage de Madeleine Gravitz, donc Madeleine Gravitz, donc Gravitz, Gravitz, qui s'intitule Méthode des sciences sociales dans l'édition Dalloz. Bon, ce livre est très important et vous aidera certainement durant tout votre cursus universitaire à comprendre les questions des méthodes, surtout au niveau des sciences sociales. On peut dire donc que, dans un dernier élément, on peut, dans un dernier élément, pardon, faire une distinction entre l'épistémologie et la méthodologie. On entend toujours parler d'épistémologie et de méthodologie.
Et donc, d'une manière un peu simple, si vous voulez, on considère que la méthodologie a pour objet l'étude des méthodes scientifiques et fait partie ainsi de la logique. Par contre, l'épistémologie est essentiellement, porte essentiellement sur l'étude critique des principes, des hypothèses, des résultats et des résultats des diverses sciences. Voilà donc un retour un peu succinct sur ce qu'on entend par épistémologie. La question qui se pose par la suite est: quel est le statut épistémologique de la science économique? Autrement dit, est-ce que l'économie est une science? Mais avant d'apporter des éléments de réponse à cette question, on va poser une question beaucoup plus générale, savoir d'abord qu'est-ce qu'une science, pour que par la suite, on tentera de comprendre est-ce que l'économie remplit les conditions de la science, donc ce qu'on appelle les conditions de la scientificité. Alors, on se pose la question de qu'est-ce qu'une science? D'abord, le mot science apparaît vers l'an 1080, le 11e siècle. Elle dérive du latin classique scientia, S-C-I-E-N-T-I-A, qui veut dire connaissance, et spécifiquement connaissance rationnelle. Scientia vient de scientis, S-C-I-E-N-T-I-S, qui signifie qui sait, qui signifie instruit, habile. Et le terme scientist, donc S-C-I-E-N-T-I-S-T, a été introduit dans la langue anglaise par William Rowell, William Rowell, W-H-E-W-E-2-L. Il a été introduit par cet auteur vers la moitié du 19e siècle. Le mot science ou scientifique a été introduit dans la langue française à partir du 20e siècle pour remplacer le mot savant. Il faut noter à ce niveau aussi que jusqu'au 18e siècle, la science est conçue avant tout comme un problème métaphysique, philosophique. Bon, la métaphysique, c'est une branche de la philosophie et c'est une, si vous voulez, c'est une recherche rationnelle qui a pour objet la connaissance du monde, de l'être et des choses en tant qu'il existe au-delà, et donc séparément des expériences sensibles que nous en avons. En fait, si vous voulez, il y avait une forte imbrication entre les présupposés philosophiques et la démarche scientifique. Et à ce niveau, il faut préciser que c'est sous l'effet ou sous l'influence de plusieurs faits durant le 19e siècle que la réflexion sur la science va changer d'orientation. Et là, on peut citer, si vous voulez, deux faits importants. D'abord, deux faits, bien sûr, qui ont influencé en fait, la réflexion sur la science, notamment au 19e siècle. Premier fait, c'est la révolution industrielle, qui s'est accompagnée d'un développement des sciences et techniques nouvelles, l'exemple des lois physiques. Et deuxième fait, c'est la révolution philosophique, qui s'est traduite par un recours accru à la perception et à l'observation des faits par l'individu. En effet, le rôle de l'individu est devenu, durant cette période, beaucoup plus important qu'auparavant dans tous les domaines de la vie, donc politique, sociale, économique et scientifique, du moins dans l'Europe occidentale à cette époque.
En fait, ce qu'il faut ajouter aussi à ce niveau, c'est qu'à partir du XVIIIe siècle, on va assister à la séparation progressive de la philosophie et des autres sciences. D'ailleurs, et comme vous le savez, toute la connaissance était liée au départ à la philosophie. Et les différentes sciences se sont constituées progressivement leur champ spécifique et se sont autonomisées progressivement, bien sûr, de la philosophie d'abord, de la philosophie. Bon, d'abord, si vous voulez, les sciences exactes, ce qu'on appelle les sciences dures, telles que la physique, les mathématiques, ainsi de suite. Et par la suite, les sciences sociales et humaines, comme la politique, la sociologie, l'économie, etc. À ce niveau, et si on essaye de remonter un petit peu l'histoire de la pensée scientifique de manière, si vous voulez, succincte, un peu superficielle, on peut dire que les sciences, au sens large, sont nées autour de la Méditerranée. Connaissance, mais en général, née autour de la Méditerranée, et si vous voulez, on peut aussi dire que ce sont les philosophes grecs de l'Antiquité que représentent les instigateurs du raisonnement abstrait, dans le sens où, contrairement à ce qu'on a pu observer chez d'autres civilisations antiques, telles que la civilisation égyptienne, les philosophes grecs parviennent au résultat remarquable de séparer la recherche, l'investigation des lois de la nature de toutes les questions sacrées, notamment questions religieuses. Et dans ce sens, on peut citer l'exemple d'un ensemble de philosophes grecs qui ont produit des discours dans différents domaines. Là, je cite Thalès dans le domaine de la géométrie, qui, malgré qu'il attribuait une grande partie de ses travaux géométriques aux Égyptiens, bien sûr, étant fasciné par l'architecture monumentale qu'avaient développée ces derniers, mais la géométrie théorique ne se développa réellement qu'avec les Grecs, notamment, et notamment Thalès. On peut citer aussi l'exemple de Platon. Platon, qui par le biais de ses dialogues avec Socrate, a permis le développement de la théorie des idées et développa les premières réflexions sur la causalité. Et la causalité représente un élément très important sur le plan du raisonnement scientifique. On peut citer aussi Euclide. Philosophe, il est derrière plusieurs réflexions mathématiques, notamment par la construction axiomatique et le raisonnement abstrait. Donc, pour résumer, on peut dire que la science et la philosophie grecque se sont développées durant une longue période allant du 6e siècle avant notre ère jusqu'au deuxième siècle de notre ère. En fait, pendant la première partie de cette période, Athènes était d'abord le principal foyer intellectuel. Et les philosophes grecs y fondaient des écoles, ils étaient entourés de disciples. Ils développent ce qu'on appelle la science grecque. Pendant la seconde partie de cette période, c'est-à-dire à partir du IIIe siècle, le foyer intellectuel d'Athènes se déplaçait progressivement à Alexandrie. Par la suite, avec le déclin de ces deux foyers intellectuels, le foyer d'Athènes et le foyer d'Alexandrie, la philosophie grecque a disparu pratiquement ou progressivement, si vous voulez, du monde romain. Et la science entrer dans une période de stagnation pendant presque une dizaine de siècles. On peut citer parmi les causes essentielles de ce désintérêt philosophique et scientifique un ensemble justement de causes ou de facteurs. Et là, on trouve essentiellement
l'emprise qu'exerçait l'Église à cette époque dans tout le monde occidental. En fait, l'Église était présente et régulait toutes les activités humaines durant le Moyen Âge. Ben, si vous voulez, le Moyen Âge, c'est la période de l'histoire européenne qui s'étend de 476 à peu près, donc la fin du 5e siècle, date de la chute de l'Empire romain d'Occident, au 15e siècle, près de 10 siècles. Le Moyen Âge, comme on l'a souligné, a connu la domination de l'Église, domination dans tous les domaines, mais aussi domination de la population, de la pensée et des différentes activités économiques et sociales. Donc on a dit que l'activité, en fait, où l'Église était présente, elle régulait toutes les activités durant le Moyen Âge. Et surtout l'activité intellectuelle qui était soumise aux préceptes moraux et à la religion. En fait, l'Occident ne sortira de cette situation que vers la fin du Moyen Âge. Hein? Mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est que durant cette période, c'est-à-dire la période romaine et jusqu'au XIIIe siècle environ, la science et la philosophie grecque se propageaient vers le Moyen-Orient et s'enrichissaient de l'apport de la science et de la philosophie arabo-musulmane. Et là, on peut donner l'exemple d'un ensemble de domaines. À ce niveau, on peut donner l'exemple des mathématiques et de l'astronomie. Et là, donc, on peut dire que c'est par le biais justement de la civilisation arabo-musulmane qu'une grande partie de la science grecque faisait sa réapparition dans le monde occidental vers le 11e, 12e siècle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les textes grecs traduits précédemment par les philosophes arabo-musulmans furent retraduits de l'arabe en latin, et on va assister à la fondation des premières universités en Europe qui vont découvrir la philosophie et la science grecque, notamment par ce qu'on appelle le mouvement des scolastiques. Bon, les scolastiques, c'est un mouvement philosophique qu'a connu l'Europe entre le 10e et le 15e siècle. Et scolastique, justement, dérive du latin scola, c'est-à-dire école. Donc, ce mouvement, si vous voulez, caractérise la pensée du Moyen Âge en Europe, et caractérise la pensée au Moyen Âge en Europe, et l'enseignement, justement, donné dans les universités chrétiennes de l'époque. Si vous voulez, c'est une philosophie visait à concilier, si vous voulez, la philosophie antique avec la théologie chrétienne. Alors, pour résumer, on peut dire que le souci majeur au Moyen Âge était la recherche d'un accord entre la philosophie et la théologie. Et la scolastique, le mouvement scolastique, si vous voulez, était au cœur de cette logique. Vient après la période de la Renaissance européenne. Mais surtout, en fait, si vous voulez, c'est à partir du XVIIe siècle que les découvertes se multiplient dans tous les domaines de la science. À l'exemple de la loi, la chute des corps et lunettes astronomiques de Galilée, 1604 et 1610, la circulation du sang par Harvey, 1628, l'expérience sur la pesanteur de l'air, Torricelli, 1644, la théorie de la lumière, Newton, 1670, le microscope et le calcul différentiel avec Bernoulli, 1690, la machine à vapeur avec Papin en 1690 aussi. On peut dire donc qu'au cours du XVIIe et XVIIIe siècle, qu'on qualifie d'ailleurs de siècle de lumière,
On va assister à l'émergence d'une pensée scientifique moderne. Et on va assister, surtout au XIXe siècle, à la vulgarisation de la science, et l'objet donné à la science devient la découverte des lois expliquant les phénomènes. Donc là, on peut aussi citer d'autres philosophes comme, ou savants comme René Descartes, 1596-1650, Blaise Pascal, 1623-1662, ainsi de suite. Alors, on va, sous justement l'effet de ces philosophes, ces savants, on va assister à la fondation de plusieurs champs scientifiques autonomes de la philosophie, mais qui se distinguent par leur objet spécifique, objet de recherche spécifique. Et ce qu'il faut noter, c'est que si les sciences de la nature, telles que la physique, sont nées et se sont constituées leurs champs scientifiques par l'expérimentation, donc l'expérience, les sciences sociales et humaines, on fait l'économie, la politique, la science politique, la science économique, la sociologie, ainsi de suite. Donc, les sciences sociales et humaines, dont l'objet est de réfléchir sur la société et l'individu, ben, ne peuvent pas opérer par l'expérience, du fait que la réflexion sur la société et l'individu conjugue des considérations morales, politiques, sociales, psychologiques, etc. On peut dire ainsi que sur cet aspect de la méthode, les sciences sociales se sont développées surtout par l'observation des faits, et ce développement a été surtout, en fait, c'est surtout développé dans des périodes de crise sociale, politique, économique. On peut ajouter que les sciences sociales ne sont pas encore, jusqu'à aujourd'hui, arrivées à construire une théorie de l'homme, leur permettant d'intégrer l'ensemble des phénomènes observables. Voilà, si vous voulez, un petit rappel succinct sur l'évolution de la pensée scientifique. Et si on revient à la question qu'on a posée au départ, c'est-à-dire c'est quoi une science? Ce qu'on peut dire, c'est que à la base de toute science réside, si vous voulez, le point de départ au niveau de la science réside dans la volonté de l'homme de se servir de sa raison pour comprendre et expliquer les faits et les phénomènes observables dans la nature et dans la société. Le problème posé à ce niveau est de savoir comment opérer, c'est-à-dire comment le réel se prête-t-il à notre investigation, à notre recherche. Et comment le chercheur retrouve-t-il l'objet de recherche et le connaît-il? Et se pose ainsi à ce niveau aussi la question de la méthode, ou plutôt les méthodes de la recherche scientifique. Avant de se pencher sur les méthodes de la recherche scientifique, il est important, notamment au niveau de la science économique, il est important de revenir sur la question suivante. Quelles sont les conditions requises pour qu'une discipline acquière le statut de science? Alors, pour tenter de répondre à cette question, nous soulignons d'abord que la science en tant qu'ensemble de connaissances humaines organisées sur la nature, comme on l'a dit, la société, la pensée, c'est-à-dire un ensemble de lois objective, expliquant les faits observables en utilisant les méthodes de recherche scientifique. Donc la science est un ensemble de connaissances accumulées. Et là, c'est un élément important lorsqu'on parle de science. C'est-à-dire,
La science est l'ensemble de connaissances auxquelles les membres d'une communauté scientifique ont accès et que l'on suppose être vraies. Donc la science, en tant que connaissance accumulée, diffère des intuitions et des expériences individuelles ou personnelles, qui restent des actions ou des événements non renouvelés et donc non accumulables. Maintenant, et pour revenir à la question, donc, si vous voulez, pour revenir aux conditions requises pour qu'une discipline acquiert le statut de science, ce qu'on appelle couramment les conditions de la scientificité, on trouve trois conditions essentielles. Donc là, on a souligné cette question de l'accumulation, donc la science, ou principale condition, c'est que une discipline, une connaissance scientifique est une connaissance accumulable. Mais là, les trois conditions, si vous voulez, de scientificité, comme dit, sont d'abord, un, et c'est une condition qu'on a évoquée, dit que la science doit être un corps de connaissance. Première condition de scientificité, la science doit être un corps de connaissance scientifique par opposition à la connaissance vulgaire, acquise à travers, comme on a dit, les intuitions et les expériences individuelles. La science est donc une connaissance, qu'on a dit, accumulable. Ce qui signifie que c'est une connaissance transmissible, c'est-à-dire que les connaissances passe et se développe de génération en génération par un transfert dans le temps et dans l'espace. La science est une connaissance accumulée, veut dire aussi que c'est une connaissance systématisée, c'est-à-dire que la science utilise une symbolisation et un langage particulier, spécifique, donc graphique, relations algébriques, symboles, ainsi de suite. Donc la science a son propre langage. Trois, donc la science, c'est une connaissance accumulée, ça veut dire que c'est une connaissance rationalisée, c'est-à-dire que la science explique comment ont été obtenus les résultats, les conclusions. C'est-à-dire, la science nous permet de déterminer la causalité. Hein? La causalité, soit par l'expérience, soit par la logique. Et toujours dans cette première condition, c'est-à-dire que la science est une connaissance, est un ensemble de connaissances accumulées, veut dire que la science est extensible, est une connaissance extensible. Donc les résultats, ça veut dire que les résultats, les lois et les conclusions obtenues à un moment antérieur permettent de formuler de nouvelles hypothèses, de nouvelles propositions. Et donc c'est une connaissance, la science est une connaissance extensible. Aussi, et toujours dans le cadre de cette première condition, c'est-à-dire que la science est un corps de connaissances scientifiques, hein? Donc toujours dans cette première condition, pour qu'une connaissance soit scientifique, il faut qu'elle utilise la démarche et la méthode de la recherche scientifique dans le processus de formation de la connaissance. C'est ce qu'on va essayer de voir un peu plus loin. Donc voilà pour la première condition de scientificité. Deuxième condition, toute science doit avoir un objet déterminé. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer une science comme ça, sans objet. Donc toute science doit avoir un objet déterminé qui est d'expliquer par des lois les faits observables dans la nature et dans la société. Et troisième condition justement de scientificité, donc pour parler d'une science, il faut qu'il dispose d'un lot minimum de certitudes, hein, pour ne pas dire de vérité, qui permettent d'expliquer les phénomènes et de prévoir les tendances générales de ces phénomènes au mouvement.
Donc voilà, si vous voulez, les trois conditions requises pour qu'une discipline, notamment, acquiert le statut de science. Donc, comme on l'a souligné, ce qu'on appelle les conditions de scientificité. Maintenant qu'on a vu ce qu'on entend par science, on va maintenant poser la question, est-ce que l'économie est une science? Est-ce que l'économie remplit en fait les conditions requises pour être qualifiée de science? L'économie, si vous voulez, est à l'égard des autres sciences sociales, on l'a dit auparavant, a pour objet l'être humain. Et plus spécifiquement, l'étude des comportements humains. Et pour se distinguer des autres sciences sociales, l'économie se définit par un objet aussi et une méthode qui lui sont propres. De là donc, on peut dire que l'économie est une science sociale qui a un objet, qui a une méthode, ou plutôt, si vous voulez, des méthodes de recherche. Alors, la question qui se pose, quel est l'objet de l'économie et quels sont ces... Concernant l'objet de l'économie, les économistes, ou la majorité des économistes, s'accordent sur le fait que la réflexion économique porte essentiellement sur trois thèmes essentiels. En fait, à la période classique, l'économie politique est surtout une science des richesses. Lorsqu'on parle de la période classique, c'est une période qui couvre, si vous voulez, le 19e siècle. Elle commence avec Adam Smith, à travers son ouvrage célèbre, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776, et se poursuit avec notamment David Ricardo, qui a écrit un ouvrage aussi célèbre qui s'intitule Des principes de l'économie politique de l'impôt, 1817. Et cette période classique, si vous voulez, s'achève à la fin du siècle, avec, la fin du 19e siècle, avec Karl Marx. Qui est considéré par les économistes comme, d'une certaine manière, comme le dernier des classiques. Alors, d'abord, lorsqu'on dit ou lorsqu'on parle d'économie en tant que science de la richesse, on dit que c'est surtout pendant cette période des classiques que ce thème a été développé. Et les classiques sont d'abord des contemporains de la première révolution industrielle. Ils sont aussi contemporains du développement du capitalisme. Et leur interrogation principale concerne donc ce qu'on appelait, ce qu'on peut ou ce qu'on appellerait aujourd'hui le processus de croissance économique, c'est-à-dire le processus d'accumulation des richesses. Il s'agit de s'interroger ou s'interroger plutôt sur, un, les causes de la richesse. Ce qui conduit justement à s'interroger sur le processus de production, les mécanismes de division du travail et les mécanismes de l'échange. Deux, il s'interrogeait sur la nature de la richesse, ce qui conduit à s'interroger sur la nature de la monnaie, sur les concepts de valeur, des prix. Et trois, les classiques se sont interrogés sur la répartition de la richesse, c'est-à-dire la détermination des revenus, les mécanismes notamment de leur distribution. En fait, après les classiques, et donc pendant la période suivante, c'est-à-dire la période de la fin du 19e siècle jusqu'au début du XXe siècle, cette période a connu ce qu'on appelle la révolution marginaliste. C'est-à-dire, la révolution marginaliste, le marginalisme, c'est une conception économique qui a été développée surtout par
des auteurs néoclassiques, hein, sont libéraux. Et ces auteurs néoclassiques, à l'image de, par exemple, d'Alfred Marshall, qui a écrit un ouvrage aussi très important, Principes d'économie politique en 1890, ben, ces économistes néoclassiques vont mettre l'accent, vont mettre le point surtout sur la notion de la rareté. Et donc, ils vont formaliser leur conception de l'économie en se basant sur cette notion de rareté, chose qu'on a soulignée lorsqu'on a donné au départ quelques éclaircissements sur la problématique qui, en fait, structure le champ de la science économique. Alors, selon les néoclassiques, c'est l'existence des contraintes de rareté qui crée le problème économique, lequel devient pour l'essentiel un problème de choix. Donc, si vous voulez, c'est avec les néoclassiques qu'on va assister à la formulation de cette problématique au niveau du champ économique, qui est la problématique de la rareté et des choix. Alors, les questions qu'ils ont posées, c'est quoi produire? Et en quelle quantité, à quelle production affecter les ressources productives dès lors que celles-ci ne sont pas illimitées? Comment produire? Quelle est la combinaison de production la plus efficace, c'est-à-dire la plus économe? Pour qui produire? Comment donc répartir la richesse dès lors que celle-ci est rare? Donc voilà, si vous voulez, le deuxième, la deuxième période durant laquelle s'est formalisé l'objet de l'économie, notamment autour de ces questions de rareté et de choix. Bon, maintenant, ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'économie, ou lorsqu'on parle d'objet de l'économie, ben, on peut évoquer qu'il y a entre les économistes, un objet commun. Donc, finalement, cet objet, c'est commun, c'est la formation des grandeurs économiques. Finalement, le questionnement particulier des économistes peut se résoudre en deux questions principales. D'abord, il s'agit de comprendre, un, comment les agents économiques, donc, qu'elles soient individus, pouvoir public, entreprise, effectuent dans un monde caractérisé par la rareté, a priori des ressources disponibles, leur choix. Donc, choix de production, de consommation, d'investissement. Puis deux, comment ces choix sont coordonnés de manière à déterminer le niveau et l'allocation optimale des richesses produites. Ce faisant donc, les économistes choisissent de s'intéresser en fait au processus de la formation de toutes les grandeurs économiques, richesses, prix, revenus, valeurs, niveau d'emploi, ainsi de suite. Pour justement résumer ou pour en fait synthétiser cette question d'objet de l'économie, on peut émettre une remarque méthodologique très importante. Donc, dès lors que la science économique va se définir en se donnant comme objet l'étude des grandeurs, donc richesse, répartition, ainsi de suite, des richesses, elle va naturellement être portée à recourir au calcul. Là, c'est un élément, comme j'ai dit, méthodologique très important. Donc, l'économie va naturellement être portée à recourir au calcul, à travers la statistique, puis les mathématiques, et à la formalisation, c'est-à-dire formaliser la réalité sous forme d'équations mathématiques, par exemple. Et de là, il va emprunter aux sciences exactes, pour son usage propre, des concepts. Tel, par exemple, le concept de l'équilibre. Et il en résultera, bien sûr, ainsi, un rapprochement de l'économie avec les sciences dures ou les sciences, si vous voulez, exactes.
Maintenant, pour la question des méthodes, on dit que l'économie en tant que science sociale a un objet. Donc maintenant, on est d'accord sur le fait que l'objet de l'économie porte sur les questions de la richesse, des échanges, et sur les questions de la question des choix, notamment des choix rationnels. Pour la question des méthodes de l'économie, donc là, on ne parle pas de la méthode de l'économie, mais des méthodes de l'économie, parce qu'il n'y a pas une seule méthode au niveau de l'économie. Donc d'abord, la méthode, si vous voulez, désigne la marche rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration de la vérité. Alors là, la question qui se pose, est-ce qu'il y a une méthode ou existe-t-il une... Est-ce que... ou existe-t-il une méthode, pardon, spécifique de l'économie politique? Avant de répondre ou d'apporter des éléments de réponse à cette question, il y a un certain nombre de remarques, ou plutôt quelques remarques à avancer. En premier lieu, l'économie est confrontée, d'ailleurs sur cette question de méthode, à un problème commun aux sciences sociales. Ce problème est pratiquement inexistant au niveau des sciences dures, des sciences exactes. Alors, quel est le problème de l'économie et des sciences sociales en général? Le problème, c'est comment extraire le fait économique du fait social. Donc là, si on observe justement la vie quotidienne, il est facile d'observer dans la vie, comme je dis, de tous les jours, des comportements. Donc acheter un bien, embaucher une personne, acheter ou déposer un brevet, contracter un crédit. Et justement, le problème qui s'ouvre là, la question qui se pose à ce niveau-là, c'est que ces faits sociaux ont la particularité de ne pas être seulement économiques. Ils sont aussi sociologiques, historiques, géographiques, anthropologiques, ainsi de suite, juridiques, etc. Par comparaison, en sciences exactes, un corps qui tombe n'est qu'un fait physique. La réaction entre deux molécules n'est qu'un fait chimique. Par contre, dans le cas du fait social, toutes, si vous voulez, les dans le cas des faits sociaux, toutes les dimensions sont inextricablement liées. Donc voilà, si vous voulez, le premier problème, ou le premier problème à relever au niveau de la science économique en tant que science sociale, bien sûr, problème lié à cette question de la méthode ou des méthodes. En second lieu, l'économie doit distinguer les énoncés réellement scientifiques, qu'on appelle les énoncés positifs, des énoncés normatifs. Hein? Donc là, si vous voulez, on le verra un peu plus loin lorsqu'on parlera de l'approche positive et de l'approche normative. Mais là, on peut souligner que c'est Léon Walras qui est... un économiste néoclassique revient le mérite de cette distinction. Donc on verra un peu plus loin cette question. Bon, toutefois, justement, les économistes ne sont pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord sur, on ne partage pas un même point de vue sur cette question de méthode, et beaucoup pensent qu'il est impossible, en fait, au niveau économique, de produire des énoncés universellement vrais. Comme le souligne à juste titre l'économiste Arnaud Parianti, qui souligne. Contrairement, et là je le cite, contrairement au solide lancé avec une certaine force dans une certaine direction par le physicien,
qui est une trajectoire constante, les agents économiques, pourtant, confrontés aux mêmes conditions, ne réagissent pas de la même façon une seconde fois. Il n'y aurait donc pas de vérité absolue en économie, pour une grande majorité des économistes. Il y aurait peut-être seulement des vérités partielles qui n'ont de sens que dans le contexte historique et limité dans lequel elles ont été formulées. Un autre point, toujours concernant une autre remarque concernant toujours cette question de méthode, l'économie se distingue des autres sciences par la méthode de validation de ses théories. Donc là, selon la proposition de l'épistémologue Karl Popper, une théorie est scientifique si elle est réfutable par l'expérience. Or, l'économie n'est pas une science expérimentale, donc il est impossible d'isoler les faits économiques et sociaux ou les faits économiques dans un laboratoire pour faire une expérience. On ne peut pas isoler le chômage, pardon, au niveau d'un laboratoire pour l'étudier. Et ces faits, aussi ne se reproduisent jamais à l'identique. Donc, la confrontation au réel passe au niveau de l'économie essentiellement par l'observation et non l'expérimentation. Donc voilà, si vous voulez, quelques remarques, notamment sur cette question de méthode. Maintenant, si vous voulez, on va se poser la question, alors, comment procèdent les économistes? Et là, on va revenir sur quatre éléments importants. D'abord, question concernant la méthode de la science économique, d'abord, les économistes émettent des hypothèses, essaient de modéliser et essayer de trouver ou de faire apparaître des lois. Faire apparaître des lois qui semblent gouverner le comportement des agents. Ben, une loi est généralement fondée sur des hypothèses plus ou moins contraignantes qui représentent des simplifications de la réalité. Donc, on essaie à travers ces lois, de traduire, de simplifier la réalité. Donc, hypothèses et lois permettent de construire des modèles. Hein, là, on parle toujours de modèles en économie ou de modèles économiques qui donnent une représentation théorique du fonctionnement de l'économie. Et comme dans toute démarche scientifique, toujours ces modèles sont confrontés aux faits. D'ailleurs, comme on dit, donc confrontés aux faits, ces modèles sont confrontés aux faits pour tester leur validité. Et comme on dit toujours, la validité d'une théorie repose sur la capacité de ses conclusions à expliquer les faits. Deux, les économistes aussi sont partagés quant à cette question de la méthode entre l'approche positive et l'approche normative. Donc, une analyse positive explique pourquoi les choses et les comportements sont ce qu'ils sont, explique la réalité, et vise donc à montrer le monde tel qu'il est. Par contre, une analyse normative cherche à définir ce que doivent être les choses et les comportements et cherche à expliquer comment doit être le monde, donc comment doivent être les choses. Et troisième, si vous voulez, ou troisième élément, c'est justement sur lequel notamment les économistes sont partagés, c'est les questions d'individualisme méthodologique et du holisme. Donc l'individualisme méthodologique, si vous voulez, c'est une méthode d'analyse des faits économiques et sociaux qui part du principe que les phénomènes étudiés peuvent être expliqués à partir des comportements individuels, alors que le holisme considère que les comportements individuels s'inscrivent dans un contexte global
prédéterminées. Donc les normes et les règles d'une société, la catégorie sociale d'appartenance, l'histoire, ainsi de suite. En conséquence, l'étude du contexte global pour ces économistes est nécessaire pour comprendre les actes individuels. Là, lorsqu'on se place dans une conception holiste ou dans une méthodologie, notamment dans cette logique, dans la logique des économistes qui privilégient justement l'holisme. Dernier élément, c'est cette distinction, notamment aussi au niveau des logiques, qu'on fait entre micro et macroéconomie. Donc, l'analyse microéconomique, si vous voulez, relève de l'individualisme, ce qu'on appelle l'individualisme méthodologique, hein, et prend pour point de départ l'analyse économique à l'échelle d'un agent. Par exemple, on analyse une entreprise, on analyse un consommateur. Okay. Donc, l'analyse microéconomique choisit un agent type, puis pour passer aux grandeurs globales, elle propose d'agréger les décisions individuelles. Donc, là, agréger, c'est-à-dire faire la somme. Donc, partons, disons, qui est vrai pour un et peut-être vrai pour l'ensemble. À l'inverse, la macroéconomie s'intéresse aux relations entre les grandeurs globales. Donc, en microéconomie, le point de départ est l'analyse à l'échelle d'un agent économique. En macroéconomie, il se situe à l'échelle de tous les agents économiques. Les conclusions de l'analyse microéconomique ne sont pas forcément généralisables au niveau macroéconomique, parce que ce qui vaut pour un consommateur ne vaut pas pour un producteur. Donc, elle est difficile de donner des fondements microéconomiques à l'analyse macroéconomique, ce qui justement justifie une approche purement macroéconomique pour rendre compte de phénomènes que ne peut expliquer la microéconomie. Donc voilà pour cette séance portant sur l'axe 1 qui s'intitule l'économie politique comme science sociale, donc les questions de l'objet et des méthodes. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.